Vraiment, donc, c'est comme ça que vous recevez une star. C'est ma première fois de jouer à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'on me reçoit. Je veux un tonnerre d'applaudissements! Par applaudissement, y a-t-il des fans des dessins animés dans la salle? Hein? Même ceux qui suivent Novelas applaudissent. Le papa là-bas aussi applaudit. C'est sûr qu'il a entendu les fans des bières. Les gens qui inventent les dessins animés doivent arrêter de nous embrouiller. Normalement, ils devraient créer des dessins animés qui ont un lien avec la réalité. Parce que nous, les enfants, on croit à tout. Vous imaginez? Quand j'avais 4 ans, mon père m'a offert un chien qui ne parlait pas. Alors que dans les dessins animés, les chiens parlent! J'ai pleuré pendant 6 mois, comme un étudiant du Congo. Qui a raté son visa pour la France devant le ciel. Milou, Milou, parle, s'il te plaît, Zonza, Chikamoto Makasi. Wou, wou, c'est tout. Papa, je veux le ciel qui parle, je veux le ciel qui parle. Vous voyez? Vous créez des conflits inutiles dans les maisons. L'autre fois, j'ai demandé à mon père, « Papa, pourquoi dans les dessins animés, les voitures parlent alors que celles d'ici ne parlent pas ?» Il m'a répondu, « Parce qu'elles ont raté le cours du soir. » Oui, j'ai cru. Même quand mon père me disait, j'étais toujours premier de ma classe. Premier, j'ai cru. Jusqu'au jour où j'ai ramené à la maison mon devoir de rédaction, traité par lui. Mon maître avait écrit, hors sujet, bien lire et relire le sujet, 3 sur 20. À l'instant, j'ai compris que mon maître était jaloux de mon père. Dans les dessins animés, on nous parle des fantômes et qu'on peut être amis avec eux. Oui, c'est vrai, ça existe les fantômes. Dans mon village, il y en a plein. Mais tu ne peux pas être ami avec eux. Ce sont des vivipares. Ils vivent à part. Quand tu es dans le noir, ils te voient. Mais toi, tu ne les vois pas. Comme dans un jeu de cache-cache avec un sorcier. Tu entends des pas. Coq, coq, coq. Les portes s'ouvrent. Quing. Et tu cries. Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça la réalité. Les fantômes européens ne font pas peur. Ils sont trop civilisés. J'ai vu des fantômes dans Harry Potter. J'ai rigolé. Je suis sûre que ces fantômes-là, s'ils croisaient les fantômes africains, ils auront peur de leurs propres collègues. Actuellement, dans les dessins animés, on nous parle beaucoup de magie, sorcellerie, super pouvoir. Vous connaissez Son Goku? Dans Dragon Ball Z, le dessin animé qui vole dans les airs, un enfant japonais qui suit DBZ, quand il a peur, son père lui dit, « T'inquiète, n'aie pas peur, c'est de la fiction. » Mais un enfant africain sait que ce n'est pas de la fiction, parce qu'en Afrique, il y a des gens qui volent la nuit. Moi aussi, avant, je croyais que c'était de la fiction. Mais le jour qu'on a attrapé le chef du quartier sur le baobab,
j'ai compris que le japonais qui a créé Dragon Ball Z, son arrière-arrière-grand-père était congolais. Merci.